Bon, allez, c'est parti. Je suis pas obligé de faire ça, hein. Je le fais quand même. Pourquoi? Parce que je m'ennuie horriblement. Bon alors pour ceux qui connaissent pas, ça c'est les recherches que les gens ont tapées sur Google et qui les ont amenées sur flopod.fr. C'est des recherches authentiques, je n'invente rien. Alors, première recherche. Mon mec marche lentement. Ouais, c'est pas facile, on est de tout cœur avec toi. Et il te trompe, c'est évident. Flopod.fr est homosexuel. Alors oui, oui, les rumeurs sont vraies. Il paraît même que Flopod.fr aurait fricoté avec un autre site web qui s'appelle Netophonix.com. De là à dire que Netophonix.com est gay, il n'y a qu'un pas. En tout cas, il y a un autre site qui est clairement gay. Vous savez très bien duquel je parle. Hein? That's gay. Flopod est fou, mais marrant. C'est marrant, c'est exactement ce que mon psy m'a dit. Flo, tu es très séduisant, Flopod. That's gay. Je vois des personnes quand je me réveille, cerveau. Alors le fait que tu vois des personnes quand tu te réveilles, en soi c'est pas si inquiétant, mais le simple fait que t'aies rajouté le mot cerveau à la fin de ta phrase, ça rend le truc très préoccupant. J'ai faim, cerveau. On va devoir vous opérer, c'est une chirurgie très légère, cerveau. Baptiste est très attentif en cours, mais il a encore quelques retards vis-à-vis de ses camarades. Cerveau. Flo est mon dieu. Alors j'attends énormément d'offrandes de nature charnelle, et si tu n'obéis pas à mes ordres, eh bien je te compresserai sous des tonnes de gravats jusqu'à ce que le carbone qui compose ta personne se transforme en diamant. Tu m'as bien compris ? Not provided. Flopod, c'est génial. Et en plus c'est riche en minéraux essentiels pour votre plus grand plaisir. Je fais peur à la foule. Le nouveau 33 tours d'Edith Piaf est disponible chez Oulisker. My name's Flo and I'm a frog. What's your name? Sing. Sing with me. Come on, Freddy. Sing with me. My name's Flo and I'm a frog. What's your name? Disponible chez Oulisker. Bon, si tu insistes tellement, d'accord. Vas-y, il veut te voir tout nu là. Souhait exaucé. Pourquoi t'as retiré ton pantalon? Non, j'ai pas retiré mon pantalon et tu me feras pas de procès là-dessus. Qu'est-ce que vous avez tous avec ça? Alcool mélange rêve réalité. C'est notre dernière recherche du jour. Elle est excellente. Et c'est ce qu'on appelle le cocktail existentiel. Essayez ça chez vous, c'est excellent. Bon, ça c'est fait. Hop. Mais qu'est-ce que c'était que ça? C'était très nul. Bah ça je te le fais pas dire. Ouais mais tu pourrais faire un effort, hein. Eh bah écoute, je vais y réfléchir. Ça te va? Non. Mais de toute façon, qu'est-ce que ça peut te faire? C'est une question de dignité. Mais tu me parles de dignité, tu t'es mis un poil sur la vidéo là. Une question de dignité! Une question de dignité, tu comprends, c'est une question de dignité!